chocolaté, papa. Sur ce, Vincent de Paul Tegui. Vincent de Paul Tegui. Ouais, membre, cadre de la CACIA, assez à l'aise pour le changement. Il y a jamais qu'un bon accord. Ah, tu n'as pas dit la justice, mon tour n'a bien ni parlé. Les longs objectifs, c'est ça qu'à Moko. Et ça, force vive à l'opposition de la CACI, qu'on a dit qu'il a parlé de justice, pour qu'on réclame libération, il y a des prisonniers politiques et il y a des Félix. Notamment, Dozana Jama Kakabuna Kabou, notre leader. Dozana Seth Kikoun. Dozana Daniel Safou. Dozana Susunama Kemoukeba et tant d'autres prisonniers. Ok. Nous le lobby à la ministère de la Justice pour réclamer libération de la Bahama Namboka. Toye Awa, le ministère de la Justice, Oyemo a déclaré qu'il y a un Koukoufa. Bakuna, ministère Oyo. Et ça, il y a un Koma. Yango Toye Awa. On a croyé que sa ministre a dirigé le département Oyo. Parce que le lobby justice élève une nation. Donc, on réclame la libération sans condition. Il y a des prisonniers. Donc, il y a une sodomisation. Mais madame, je suis un peu plus bien que la justice d'ailleurs au Koufa. Mais vous voyez ce que vous avez dit. Ah ouais, justice est au Koufa. Donc, on réclame. Il y a pas que Yemoko, Moutouaza, qui dirige Mboka, a déclaré que j'étais au Koufa. Et puis, on a aussi nommé jeune. Comme on a son excellence Constant Moutamba, au hasard qu'on applique politique, il y a mon corps, il y a des engagements. Il y a des engagements. Yoka Boye, Boye n'est pas né en tant que ministre de la Justice. On a réclamé aux alliés droits et alliés légales. L'idée n'a pas de l'opposition va la libérer. Ok, merci beaucoup. Mais attention, madame Boka, madame Boka, en direct, tu dois en parler de la nation. Vous avez un monde à Awa, Angouma, parler de la justice plutôt. Angouma, ça m'a cassé, tu m'en Awa. Comment on a un monde, tu m'en dis, Mike Mkebaï, Koso. Madame Boka, tu sais, on a des engagements, Salami, Mkebaï, Abimita, Abimita, madame Boka. Madame Boka, Mkebaï, Abimita, 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 ce que vous avez dit, c'est un problème. Je suis 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 un problème. C'est vrai. Ouais, ouais. Parce que vous avez dit, vous avez levé un certain dimanche, okay. Le 21 mai 2023. Ok. Siko. Ceux qui vont abandonner le prochain Mkeba et Nairo, ils doivent venir jusqu'à cet amour-là. On va tenir l'invitation. Si on va tenir l'invitation, après vous savez. Allez vous répondre. Vous voyez, c'est que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Attends. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Ça fait 16 mois qu'il est en prison. Après, vous savez. Mais moi, je dis ce que vous faites. Autant me dit pourquoi. Je dis corrompu, je dis ça m'arrive. Mais moi, je suis le même. Je dis ça m'arrive. Je dis ça m'arrive. Vous voyez, c'est un peu de temps. Justice aux autres. Deux âges jeunes. C'est là que je vais vous montrer la justice. Okay. Est-ce que vous avez contrôlé les billets de la vie? Vous avez vu que 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 vous avez vu. Parce que trop c'est trop. Il faut au moins libérer ma prisonnière politique. On doit m'aider à ma otage politique. Il y a Chilombo. Chilombo, article 26 de la Constitution. Mais ça lui passe comment? Parce que
dans un pays où les amis on dirait démocratique. Or, tu as un pays où les amis démocratiques, et tu as la bichot, tu as un campagne de Rotulombo, tu as un salon de Sony, parce que tu as un musulman en position. Mais la position et fonctionner normalement. Justice européenne qui corrompu, justice Moïni, justice Azali malade, mais le boy sous la justice en gros pour la libération n'a ni fait besoin quoi quand même. Vous allez croire dans un mot de retirer la croire dans un mot. Comment ça anime beaucoup? Toi, c'est une obligation patriotique. Okay. Parce que le peuple a besoin que les opposants soient libérés. Okay. C'est une obligation patriotique. Ah. Et ce n'est pas un commandement. Toi, il y a un commandement. Okay. Voilà pourquoi nous sollicitons et nous exigeons la libération des prisonniers politiques. Entre autres, le président Jean-Marc Kabou, le président Seth Kikuni, l'honorable Mike Mukebaye, l'honorable Daniel Safou et d'autres opposants, ainsi que le membre du mouvement citoyen. La bouche autorisée, tu ne commentais pas l'objet. Et là, on va reposer à Jean-Marc Kabou actuellement. Et là, on va reposer Jean-Marc Kabou. Parce que Jean-Marc Kabou a dit la vérité pour les puisqu'il a été arrêté à violation des procédures de droit, entre autres l'article 101 de la Constitution, l'article 76 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Aucun parlementaire, la détention préventive d'un député national doit être assigné à résidence surveillée. Merci beaucoup, mon abogé autorisé. Merci beaucoup. Oh, that's it.
Mémorandum des partis politiques de l'opposition et organisations politiques, s'il vous plaît. Mémorandum des partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile. Allez, on y va. À l'attention du gouvernement de la République démocratique du Congo, pris en la personne de Madame la Première ministre. Nous, membres du cadre de concertation et politique sociale, l'ensemble des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, J'ai tenu à participer à cette manifestation pour dire à M. Félix Tshisekedi que le peuple n'a pas peur, que nous sommes libres, nous ne sommes pas des animaux. Monsieur le Président Tshisekedi, Tosa Batabate, Tosa Bato, libérez cette Kikuni, Nenge na Komi Awa. Nous, nous sommes dans un média international. Malimbe. Je suis Bernadette Okoum, une personnalité politique de l'opposition. J'ai tenu à participer à cette manifestation pour dire à M. Tshisekedi que nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des chèvres, nous sommes des êtres humains. Nous lui demandons de libérer cette Kikuni qui a fait seulement usage de sa liberté d'expression. Nous lui demandons également de nous rendre compte pour M. Jacques Dalla qui a été violé par sodomie à l'Agence nationale de renseignement. Nous disons que M. Félix Tshisekedi et l'AG de la Terre de l'époque sont responsables et ils doivent assumer leurs responsabilités. Nous demandons la libération de Jean-Marc Kabound. Nous demandons la libération de M. Jacques Sinvaer qui a été déporté de Goma jusqu'ici à Kinshasa. Nous sommes libres, nous sommes Congolais, c'est la terre de nos ancêtres.
Nous voulons la libérer de la balkanisation par Kagame. Nous voulons la libérer de la dictature de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. À l'attention du gouvernement de la République démocratique du Congo, pris en la personne de Madame la Première ministre, nous, membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales, plateforme des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, venons, en application des dispositions des articles 8 de la Constitution, 10 et 16 de la loi organique numéro 7/008 du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition, vous faire part de ce qui suit. 1. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifié par la RDC le 18 mars 1996. 2. Dans cette entreprise attentatoire au principe démocratique, votre gouvernement semble avoir levé l'option de museler toutes les voix dissidentes et d'étouffer tout élan démocratique en procédant aux enlèvements, arrestations et détentions arbitraires des opposants politiques, des activistes de la société civile, ainsi que des citoyens qui s'opposent à votre gouvernance et qui dénoncent, dans le respect des lois établies, les abus et dérives multiformes devenus la marque déposée de votre régime. En effet, des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikuni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebaye, Daniel Safou, ainsi que de Mouamissio Ndoumbou King, de Lucha arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaïra, Noir Sassita, Veranda Moutsanga, détenu dans le cachot de la Denia, de Alain Simako, Jean-Paul Gaïngonati et Fiston Isambiou. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'ECID, les tueries de Kinois
et lui loue dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier. Violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de la NER et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIA, pour perpétrer les arrestations. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve à la mer subit quel genre de supplice en ce moment. Nous demandons à la République démocratique du Congo d'apporter justice. Nous n'allons pas oublier aussi le jeune Jules Manzanza, militant de l'Essigné, qui a été froidement abattu par la police congolaise. Et enfin, nous dénonçons les massacres qui ont eu lieu à la prison de Makala. Rien ne peut justifier les centaines de morts que nous avons vues à la prison Bakala. Nous espérons que la République donnera justice à tous ses compatriotes. Je vous remercie, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. En lingala, excellent. En lingala, excellent. Le parti de Moïse Kabila. Avec les bousculades et tout ça. Le moment, le moment. C'est l'ancien. On aura si vous pouvez me laisser parler en lingala. Et là, c'est bon. On va nous continuer de voir après. Ensemble, ensemble, parce qu'on va faire ça. Tout ça, c'est une manière. Voilà, c'est pour décrier les situations inacceptables qui se passent dans notre pays. Vous êtes sans ignorer que le peuple était nourri d'espoir, de beaucoup d'espoir, pour voir l'avènement de ces régimes. Mais aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas. Si les opposants politiques sont emprisonnés et condamnés, qui va mettre des garde-fous à ces régimes? Qui sera le porte-parole du peuple auprès de ces régimes? N'est-ce pas cette opposition que le régime veut museler aujourd'hui? Si je parle, je ne veux pas répéter les noms de tous ceux-là que l'honorable a cité ici. Mais je parle de mon leader aussi, j'ajoute, il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence civile qui lui a été accordée par la Cour des Comptes.
Et pourquoi ne pas avoir observé cela? Pourquoi la Cour ne peut pas même respecter ce propre loi? Quelle est la ligne? Tous les politiciens veulent les mêmes. Non, je comprends. Allez, la gâte. Fini ça, mon. Allez, la gâte. Il faut que vous alliez ensemble. Vous allez ensemble pour la République. Vous allez ensemble pour la République, Moïse. Vous voyez bien ce que nous avons dit, pour la liberté et la démocratie dans notre pendant que nous avons mandat pour combattre ce régime, en association avec la force négative étrangère, nous sommes ensemble pour la République. Malgré l'injustice, nous sommes Moïse Katumbi à subir dans notre pays. Nous allons mener une opposition républicaine. On a même convaincu à nos députés d'aller siéger au sein des institutions, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Aux Alaki, candidat, face à Mme Dominique Nounou. Vous voyez bien comment est-ce qu'ensemble les institutions pourraient être dans les institutions. Mais comment se fait-il? Libérez le centre de la normal dans un état qui se dit de droit que nous ayons de prisonniers politiques incarcérés injustement. Nous parlons de Seth Kikuni, nous parlons de l'honorable Mike Mukebaye, de Daniel Sarr, nous parlons de la mort de Chérubin Okende. Parce que jusqu'ici, pour nous, Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, nous ne croyons pas au suicide, au soi-disant suicide de Chérubin Okende. Chérubin Okende ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Et il est anormal. Une année après, qu'on nous dise que Chérubin Okende s'était donné la mort lui-même. Nous ne croyons pas à ça. Et nous demandons au ministre de la Justice de libérer tous ces prisonniers politiques. Parce que ça ne sert à rien de prendre des gens, de pères de famille, des époux, les détenir pendant autant de temps en prison sans pour autant être jugé. Mike Mukebaye, il n'a jamais été jugé. Il est là en train de couper en prison. Ça fait aujourd'hui 17 mois. Nous ne pouvons pas cautionner ça. Le parti Ensemble de Moïse Katumbi ne tolérera pas l'injustice dans ce pays. Nous avons choisi de mener une opposition républicaine. Nous ne prendrons pas les armes. Nous ne soutiendrons aucune rébellion. Alors, on doit nous respecter. Nous devons avoir nos droits et nos droits doivent être respectés dans ce pays parce que ce pays n'appartient pas à l'UDPS, ni à l'Union Sacrée, ni à M. Tshisekedi. Le pays nous appartient tous. Nous allons voir les résultats qui vont commencer à tourner. Mais nous saluons la simplicité, la disponibilité du ministre parce qu'il a quand même accepté d'interrompre son travail pour nous écouter. C'est ce que nous avons souhaité et nous rentrons confiants, nous rentrons avec l'espoir que dans les jours qui viennent, nous aurons ces prisonniers qui seront libérés. Moïse Katumbi, Sénabi Nabiso Toya, pour répondre présent à Sitin Oyo, Ponako Luka, Telemela, l'injustice, comme arrestation arbitraire au Salami Nambo. Kolobi Boe, Moïse Katumbi, la partie n'a ensemble pour la République, Topo Nako Sala opposition républicaine. Toyebi Kemdeko Tshisekedi, Atikala Kolonga, l'élection T. Ami tika na makasi na tricherie pour akabola ka ba machine à voter. Kasi ko ndimi ko zala na ba institution pour to mener combat ya démocratie, mais lelo bato ya biso ba ko kanga ma mikolo nyonso. Mike Mukebaye, Seth Kikuni, Daniel Sarr, Chérubin Okende te mokolo ya lelo ba tika la ko yebisa biso te nini le kapo te akufa. Ba yebisa biso ka mipesa ki liwaye moko biso ko ndima yango soki mokende. Nde tozali kosenga na bandeko nyonso. Il y a un combat où il faut se payer pour nous, les ministres, qui sont prêts à l'hôpital pour faire sa mission et à nous, la Nicolas Alibou. Il y a un combat où il faut se payer pour nous, les ministres, qui sont prêts à l'hôpital pour faire sa mission et à nous, la Nicolas Alibou.
Avec elle, on va.